Dans la ville de Lyon, il y a beaucoup de pollution. Il y en aurait à ce qu'on dit, plus encore qu'à Paris. Mais la mairie de Lyon ne voit pas de solution. Il serait contre nature de réduire la voiture. Rouler en auto-solo, ce n'est pas le bon ratio. Plus d'une tonne de métaux pour porter quelques kilos. Et c'est pourtant le modèle défendu par des édiles qui, depuis le vieux Pradel, biberonne à l'automobile. Pour la voiture, une voie, on peut dire c'est déjà ça. Mais souvent c'est deux ou trois, et même à certains endroits. Il y en a cinq ou six sur les quais, c'est plus de dix. En fait, il n'y a plus d'espace, l'auto prend toute la place. Dans la ville de Lyon, il y a beaucoup de pollution. Il y en aurait à ce qu'on dit, plus encore qu'à Paris. Mais la mairie de Lyon ne voit pas de solution. Il serait contre nature de réduire la voiture. Quand trop trop, c'est vraiment trop. On chasse les vieilles wagons, mais on laisse circuler les énormes SUV. Vu que monsieur Volkswagen, qui est l'honnêteté même, a promis que ses gros joujoux ne polluaient plus du tout. Partout ça flambe, ça brûle, partout c'est la canicule. On sait pas bien où on va, mais c'est pas vraiment la joie. Pourtant une chose est sûre, c'est qu'une ville de voitures, disons le carte sur table, ne sera pas respirable. Dans la ville de Lyon, y'a beaucoup de pollution. Y en aurait à ce qu'on dit, plus encore qu'à Paris. Dans la mairie de Lyon, ne veut pas de solution. Il serait contre nature de réduire la voiture. Bien sûr le prix du ticket peut nous faire un petit quai, comme attendre à minuit 3, plus d'une heure le C3. C'est ici qu'il faut du fric, pas dans les périphériques. Que soit pas cher et pratique de bouger écologique. Près du tunnel Croix-Rousse, ça tousse, tousse, ça tousse. C'est un cocktail qui dépote au dioxyde d'azote. Va-t-on confiner l'école, va-t-on réduire la bagnole? Devinez donc quelle option choisit la mairie de Lyon. De Givor à Beauharnais, on veut les transports en commun. De la Duchère au Brotteau, de vraies pistes de vélo. Du 8e jusqu'au 1er, on veut pouvoir marcher à pied. De Saint-Clair à Guillotière, remettez le TER. De Vénissieux à Tassin, on veut les transports en commun. De Franche-Pilotero, on veut des pistes de vélo. De Rio au Pérouillet, on veut pouvoir marcher à pied. Sur l'espace libéré, on veut des arbres africains. De Pierre Bénite à Pézin, on veut les transports en commun. De Montérayon à Bénin, on veut des pistes de vélo. De Chasse à la Verpillière, on veut genre un RER. Et parce que c'est trop stylé, on veut pouvoir marcher à pied. Un métro aérien. Téléphérique, les coulées vertes et les petits bateaux là sur la rivière. Sur le chemin de l'école, il y a trop de bagnoles. Mais libérez les minots, enfermés dans les autos. Mais libérez les minots, enfermés dans les autos.